Salut, salut. Donc, comme vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve aujourd'hui pour l'Alphabet Challenge T pour Tricolum. Donc, je vous explique ça juste après le générique. Donc, voilà, j'avais très envie de faire mon petit montage, enfin, ma petite résine champignon. Je ne l'ai pas encore faite, hein. Je vous fais l'intro à l'avance, mais au moins c'est fait. Sauf que le C de champignon était déjà passé. Donc j'ai cherché un nom de champignon et j'ai trouvé le tricolum prétentieux. Voilà. Règne fungi. Enfin voilà. Ça ressemble à ça. Je vous montre. Alors, bien sûr, je ne vais pas les faire dans ces teintes-là, les miens, mais. C'est juste pour le nom, pour qu'il rentre dans l'alphabet challenge, parce que j'avais très envie de le mettre dans l'alphabet challenge. Je sais pas pourquoi, hein, je fais une fixette là-dessus. J'aurais pu faire une vidéo à part et puis trouver autre chose pour le thé, hein, mais non. J'aime. Donc je crois que ça se dit tricolum. Hein. Attendez, on va aller voir sur Google. Tricolum. Champignon. Est-ce que j'arrive à avoir le son? Non, il faut que j'aille dans Google Traduction. Attendez. Attendez. Oui, mais attendez, je vous dis. Alors, en français, tricolum. Alors, je vais mettre le son. Et on va écouter ce qu'il nous dit. Bouge. Ah! Mais normalement, c'est... Ah, voilà, c'est là. Tricolum. Tricolum, voilà, j'avais raison. On dit bien tricolum et pas tricholum. Pourtant, ça aurait été plus marrant, tricholum. Enfin, bref. Donc, voilà, je vous laisse avec le procédé. N'oubliez pas d'ores et d'avant de mettre le pouce en l'air et de vous abonner. Ça fait vraiment plaisir. Ça m'aide énormément pour le référencement YouTube parce que l'algorithme, il a un peu du mal en ce moment. Et donc, voilà, ça m'aide beaucoup. Et je vous laisse avec le reste en musique. Ah, et pour la petite astuce des clous, c'est des vis. C'est mon chéri qui a eu l'idée. Voilà.
Thank you.